Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler des 5 meilleurs smartphones avec la meilleure autonomie de batterie de 2018. La dernière chose que vous voulez est que votre téléphone s'est vidé de sa batterie quand vous en avez le plus besoin. Habituellement, la batterie d'un téléphone dure une journée de travail complète avec une utilisation modérée. Mais si vous l'utilisez intensivement, vous aurez besoin de la recharger plus souvent, donc voici une liste sur les smartphones qui ont une longue autonomie de batterie. Avec le meilleur temps pour les trois derniers iPhones cette année, le XR dure un fantastique 19h53 minutes. Il offre également les nouvelles fonctionnalités des nouveaux iPhones, y compris un excellent grand écran, des bonnes performances, le Face ID, la recharge sans fil ainsi qu'une bonne appareil photo qui est aussi bon que l'iPhone XS. Avec une moyenne impressionnante de 19h20 minutes, la batterie massive du Galaxy Note 9 alimente son grand et beau écran et les matériels haut de gamme. Le téléphone a également reçu une mise à jour pour le Smart S Pen qui agit comme une télécommande sans fil dans le cas où vous avez besoin de prendre un selfie. Il serait assez difficile de mettre la main sur le Vivo Nex si vous ne vivez pas en Asie, en Inde ou en Russie. Mais même avec sa faible disponibilité, il ne faut pas nier que le téléphone a l'une des plus longues autonomies de batterie avec 21h50 minutes. Bien qu'il soit difficile d'avoir un téléphone Huawei aux États-Unis, Huawei est toujours le deuxième plus grand fabricant de téléphones au monde. Son Mate 20 Pro est l'un des téléphones les plus innovants que nous ayons vu depuis longtemps et sa longue batterie de 18 heures est la cerise sur le gâteau. Bien qu'il n'ait pas la compagnie de téléphone la plus populaire, la BlackBerry Kitu impressionne tout avec son temps de batterie de 18 heures. Le clavier QWERTY physique du téléphone lui fait également une rareté sur le marché et il prend des bonnes photos avec ses doubles capteurs arrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. N'oubliez pas d'aller me rejoindre sur les réseaux sociaux et de vous abonner, les liens seront en description.